Good morning, Aleiden, et ce sera aujourd'hui le Lunishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah bat Betir Revka, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez dans 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Menachot, Perek Yud Alef, Mishnah Dalet. Kol Menachot yesh bahen maasekli bifnim, ve'en bahen maasekli bachutz, keitzad. Shte alechem orkan shiv'a verochban arba'a vekarnotehem arba etzba'ot. Lechem apanim orkan asara verochban chamisha vekarnotav sheva etzba'ot. Rabbi Yehuda omer shelo tit'e zadad yahaz. Ben Zoma omer venatata al ha'shulchan lechem panim lefanai tamid sheyehe lo panim. Mishnah très simple, on commence, on traduit tout de suite. Kol ha-menachot yesh bahen maasekli bifnim. Toutes les menachot, toutes les oblations que l'on faisait au Beit HaMikdash, yesh bahen maasekli bifnim. Il y a en elle, il y a donc pour elle, une nécessité d'utiliser un kli bifnim, un ustensile à l'intérieur du Beit HaMikdash. Ve'en bahen maasekli bachutz. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'utiliser un ustensile à l'extérieur du Beit HaMikdash. Et j'explique, c'est une notion qu'on a déjà traînée depuis plusieurs Prakim et Mishnayot, à savoir, lorsque je vais faire une mincha, je sanctifie la mincha par l'ustensile. C'est-à-dire, l'ustensile que l'on utilise au Beit HaMikdash, c'est un kli kadosh, on l'a sanctifié en lui mettant de l'huile d'onction à l'intérieur, à l'extérieur, on avait appris des différences entre les ustensiles des produits secs, des produits mouillés, humides, des liquides, quoi. On avait appris plusieurs à la chôte. Ça fait que lorsque je vais apporter une mincha, je vais devoir, pour sanctifier la mincha, faire que maintenant c'est devenu, elle est passée dans la propriété du Hekdesh, elle est devenue Gdosha, elle a été sanctifiée, alors il va falloir que je vais le mettre, donc là par exemple, là, on parle de semoule, je vais mettre la farine dans l'ustensile du Hekdesh, ça va devenir Kadosh. D'accord? C'est le principe, soit quand on va mettre l'huile, on avait appris plusieurs différences. Maintenant, notre Mishnah vient simplement pour me préciser. On avait appris dans la Mishnayot précédente qu'il y a en général, les menachot, on les fait en général à l'intérieur du Beit HaMikdash, mais il y a certaines préparations que l'on fait à l'extérieur du Beit HaMikdash, et qu'une fois que le produit est prêt, on l'amène au Beit HaMikdash. D'accord ? On avait appris le shteh alechem, lechem apanim par exemple. On les fait cuire à l'extérieur, et puis on les pétrit à l'extérieur, et on les fait rentrer ensuite. On avait appris ça, c'était dans le. Les chatans dans le Tan Bachutz. On le faisait cuire à l'intérieur, c'est la Mishnah Bet justement. On est dans la Mishnah Dalet, ça fait deux Mishnayot en arrière. D'accord ? Maintenant, la Mishnah vient, elle me précise. Pour la plupart, maintenant, une fois qu'on a parlé du Lechem Apanim, on a parlé ensuite des Chavite Kohen Gadol. Maintenant, on va parler de toutes les Menachot. On va clore le sujet en disant que toutes les autres Menachot, eh bien, tu dois les faire à l'intérieur du Beit HaMikdash. Donc, Yesh Ben Maasekli Bifnim, il faut les faire à l'intérieur du Beit HaMikdash avec un ustensile Kadosh. Mais à chaque fois que tu dois le faire, que je te demande de faire quelque chose à l'extérieur, ce n'est pas avec un kli qui est kadosh. Raison très simple, si tu vas le sanctifier à l'extérieur du Beit HaMikdash, tu auras un problème que tu as une mincha kadosha, sans sainte, à l'extérieur du Beit HaMikdash. Ça pose problème, on avait déjà évoqué, soit à cause de Rashi qu'il y a ce qu'on appelle, tu as fait sortir un korban à l'extérieur du Beit HaMikdash, soit d'après tout ça, qu'il y a un problème de mépris. Ouais. D'accord, une notion un peu simple. C'est un peu dur et comment maintenant, qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre? Retenez tout simplement que on a appris dans la Mishnah précédente des préparations à l'intérieur du Beit HaMikdash, des choses à préparer à l'intérieur du Beit HaMikdash. Tout ce qui est à l'intérieur du Beit HaMikdash, tu le fais avec un ustensile kadosh. Ce qui est à l'extérieur du Beit HaMikdash, tu le fais avec un ustensile qui n'est pas kadosh. D'accord? On a clos le premier sujet. La Mishnah continue en me disant Keitzad, c'est un grand problème de comprendre ce mot Keitzad. Dans la Gemara, il n'apparaît pas, comme ça le Menachet Shlomo rapporte. La Gemara Encham Girsat Mela Keitzad. Ketsa, ça veut dire de comment se présente le cas, et en fait on va parler de choses complètement différentes, donc supprimez le mot, c'est mieux. Shte alechem. Maintenant on va parler de à quoi ressemblaient les pains. Il y avait deux fois du pain que l'on a évoqué dans le Mishnayot, dans tout le Mishnah depuis le début de ce chapitre. Il y a les shte alechem, les deux pains de Shavuot, et il y a les 12 pains du Shabbat. Alors, shte alechem, les deux pains de Shavuot, Orkan Shiv'a. Leur longueur faisait 7 tfachim, 7 poignées, 9,8, 12 cm selon Chazon Ish, Rabbi Chaim Naé. Donc, Orkan Shiv'a,
leur longueur est de 7 poignées. Verochban arba'a, leur largeur de 4 tfachim, 4 poignées. Vekarnotehem arba esbaot, et leur coin, leur keren, je ne sais pas comment traduire, leur coin, d'accord, il fallait le faire comme le, à l'allure du, à l'instar du Beth Amikdash, du Misbéach, qui était un endroit plat, et il y avait 4 coins comme ça qui sortaient, aux 4 coins, et bien de la même manière, tu dois faire aussi les pains. Et il devait avoir comme ça, avec une taille de 4 doigts. Une hauteur de 4 doigts. D'accord ? C'est pas précisé, mais je pense que ça fait 4 sur 4 aussi. C'était des cubes de 4 sur 4. Et je finis tout de suite la suite. L'Echem HaPanim, on organise tout ensemble. L'Echem HaPanim, et tandis que les pains du Shabbat, eux, ils faisaient Orkan Asara. Leur longueur faisait 10. Rochban Chamisha. Leur largeur, 5 Tfachim. Vekarno Tav Shevaitzbot. Et ses coins mesuraient 7 doigts. D'accord ? Je reprends. On a deux types de pains que l'on apporte au Beth Amikdash. Il y a les deux pains de Shavuot. Eux, leur taille, donc, elle est de 7 poignées. Vous faites un... Imaginez, et l'épaisseur, c'était un tefar. Je ne sais plus où je l'ai vu. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais en tout cas, je l'ai vu que leur hauteur faisait à peu près l'équivalent de un tefar. Donc, en fait, les pains de Shavuot, c'était comme ça, une sorte de planche de bois, en fait, ça ressemblait à une planche de bois, quoi, qui était comme ça, très plate. 7 de large, ouais, imaginez, quelque chose comme 70 cm, plus ou moins, 70 cm sur 7 x 4, 28, donc ça fait sur 28 cm de large, avec, en plaçant ça dans les 4 coins, comme ça, des petites cornes qui sortent comme ça dans les coins, un keren, des crânes, des coins. D'accord ? Qui dépassait. Et pour le Lechem HaPanim, c'était des mesures différentes. Ça faisait 10 sur 5, avec 7 doigts, cette fois-ci, qui dépassaient des petits cubes de 7 doigts. Rabbi Yehuda Omer, Shelotite, Zadad Yahaz. Rabbi Yehuda, vous connaissez Rabbi Yehuda du Seder. Dans le Seder, on dit Rabbi Yehuda, il donnait des simanim. Eh bien, Barthénor nous rapporte que Rabbi Yehuda, dans plein d'endroits de la Torah, il nous donne des simanim. Il nous donne des moyens mnémotechniques pour nous souvenir. C'est-à-dire maintenant, vous allez probablement mieux vous souvenir si je vous dis Zadad Yahaz, c'est les mesures. Zadad, c'est les gematria. Zadad, ça fait 7-4-4. Yahaz, 10-5-7. 7-4-4, c'est les mesures du Jeté Alechem, des pains de Shavuot, 7 sur 4 en poignée et 4 de hauteur en doigt. 4 doigts, attention, il ne faut pas se tromper. Et Yahaz, la même chose aussi, 10 sur 5 avec 7 doigts de hauteur. Benzoma Omer, Benzoma disait lui, Venatata al Hashulchan Lechem Panim Lefanai Tamid, Sheyehelo Panim. Benzoma ne vient pas discuter sur Tanakama, il vient juste nous apporter l'origine de cette halakha particulière. Il nous dit, Venatata al Hashulchan Lechem Panim Lefanai Tamid, tu mettras sur la table du pain Panim, du Lechem Panim, les 12 pains là du Shabbat, qu'il y avait sur la table dans le Echal. Alors, il appelait dans la Torah le Lechem Panim, le pain des faces. Les Fanaï, il sera devant moi toujours. C'est-à-dire, d'abord, juste pour faire un petit peu d'ordre, il y a, quand on rentre dans le Echal, il y a la première partie qui est le Kodesh, et après, il y a une parochette, un rideau, avec derrière le. Dans le Kodesh et Kodeshim, il y avait là-bas le Aaron Abrit, à l'extérieur du Aaron. Donc, il y avait cette parochette qui séparait. Là-bas, vous allez avoir le Mizbeach HaZahav, l'autel de la Ktoret, une amas sur une amas avec une hauteur de 2 amot. Il y avait le Shulchan et la Menorah. La table et la Menorah. Le Shulchan, c'est l'endroit où on déposait, il y avait là-bas le dispositif avec les 12 points, les 12 pains, deux séries de 6. Il y avait une avodah spéciale à faire le Shabbat. On apprendra ça plus tard, mais ça sera bien précisé. Je crois que c'est dans Sperek même. Et d'accord, donc je vous ai expliqué c'est quoi les 12 pains. Maintenant, ces pains-là dans la Torah, ils s'appellent le Lechem Panim, le pain des faces. Pourquoi ils s'appellent le pain des faces? De là, on déduit l'histoire qu'il faut... qu'il y ait, que sur le côté, il y ait des coins qui lui remontent, comme si c'est deux personnes qui sont en train de se regarder en face à face. Donc, Benzoma a tout simplement déduit d'un pasouk ce que Tanakama nous enseignait, il nous a donné des mesures, des tailles, sans préciser l'origine. Lui, il est venu nous rapporter l'origine de la Torah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.